Ils sont partis donc avec un bon départ pour Cal Gourly qui va prendre la direction des opérations. Mark Stuckey également bien parti. On retrouve également Captain Pecha et on ferme le cortège maintenant avec Ninoto qui est passé devant Mark Stuckey. C'est Captain Pecha qui va tenter de forcer l'allure dans cette épreuve. Captain Pecha au tombeau malarctique qui se présente en tête. En deuxième position, on retrouve Ninoto à l'extérieur. En troisième position, le cheval Cal Gourly. On ferme le cortège maintenant avec Marst Kekou de l'écurie Amel Siudial. Les chevaux sont dans la ligne opposée avec Captain Pecha, tranquille aux commandes de cette épreuve, flanqué à son extérieur de Ninoto. Corse Ideal jusqu'ici en troisième position pour Cal Gourly et Buggy Ruti. On ferme toujours le cortège avec Marst Kekou qui va sans doute attendre la ligne droite pour amorcer son attaque. Les chevaux sont bientôt plus qu'à 400 mètres de l'arrivée avec toujours Captain Pecha aux commandes. On fait l'effort déjà avec Cal Gourly. On est lancé également avec Marst Kekou. Les chevaux sont en pleine ligne droite avec Captain Pecha toujours en tête dans cette épreuve. Et on revient derrière avec Cal Gourly et Marst Kekou. Marst Kekou, Captain Pecha toujours devant. Captain Pecha, Cal Gourly. Et on est là également avec Marst Kekou. Marst Kekou qui va s'imposer dans cette épreuve.